Hey, salut tout le monde, c'est l'éponge, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Minecraft pour vous montrer ce que je peux faire ou ce qu'on peut faire, ma femme et moi, en 2 mois. Je suis le roi du monde, je suis au sommet de tout. Tout, 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 tout. Je suis le roi du monde. Qu'est-ce que vous en pensez déjà avec la vue là? C'est énorme, franchement. Bon, je ne pensais pas qu'on pouvait faire des choses aussi énormes. Vraiment, vraiment. Là, on peut regarder de l'autre côté. Hop, je me mets accroupi parce qu'on ne sait jamais si je peux tomber parce que là, c'est le risque-péril. Ici, tout ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la forêt et il y avait plein de trous. Donc, du coup, on a dû faire beaucoup, beaucoup de travaux en une semaine, 2 semaines pour tout balayer et remettre tout à plat. Voilà, donc on a une très, très belle vue quand même, hein. Franchement, j'adore. Vue du ciel, enfin presque vue du ciel, hein, parce que là, on n'est pas loin. Je vais mettre quand même, hop, je vois, ah ici, je peux casser après. Je remets parce que sinon je vais me faire engueuler par ma femme parce que j'ai cassé ça, son truc. Est-ce que j'ai fait une gourde? Hop, je pense que j'ai fait une gourde. Attendez, j'ai fait des bêtises. Hop, il faut rajouter ça. Et voilà, c'est bon, tout est complet. Je suis content, je vais pas me faire engueuler. Allez, tout de suite, on va attaquer pour la présentation des bâtiments et des emplacements qui ont été construits. Donc ici, nous sommes à l'intérieur de cheval que ma femme a sculpté, hein, fièrement d'ailleurs. Et moi aussi, je suis très fier. En tout cas, je ne pensais pas qu'elle allait faire un truc aussi énorme. Franchement, j'ai de la chance qu'elle présente, enfin, qu'elle fait l'effort de faire des choses vraiment énormes. Là, j'étais tout au sommet, mais la construction n'est pas encore finie, hein, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, hein, c'est pas encore fini. Donc, tout ça, ouais, on a fait vraiment pas mal de temps, on était vraiment en sueur, c'est le cas de le dire. Maintenant, on va visiter à cheval, hein, pour aller plus rapide et fièrement. Hop, donc il faut attacher les chevaux avec la laisse parce que sinon ils vont disparaître. Malheureusement, parce que nous on avait eu l'idée de mettre les chevaux à l'intérieur et puis en liberté. Mais quand on se reconnecte, bah, voilà, ils sont disparus. Donc du coup il faut les attacher pour les garder, quoi. Donc là, on va visiter rapidement le tour de piste. Donc ici, c'est vraiment, j'adore, vraiment, j'équipe. C'est les emplacements des compétitions, mes amis, comme aux Jeux Olympiques, hein, un petit tour de piste. Pour l'instant, c'est petit, mais avec le temps, on va l'agrandir, hein, quand on aura vraiment le courage de l'agrandir. Regarde, qu'est-ce que vous en pensez de cet endroit? Donc ici, c'est une petite partie où... Enfin, petit emplacement ou pour faire des courses. Hein. Voilà. Rien qu'en courant sur la piste, bah, j'ai la pression. J'ai une pression énorme là. Je suis vraiment très très content de moi. Enfin, de nous en tout cas. Parce que je ne l'ai pas réalisé tout seul. Et il faut l'avouer. Vraiment, je suis vraiment très très content de ce qu'on a accompli. Ouais, voilà, on a fait le tour pour le tour de pour les, tout ce qui est chevaux. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? Laissez-moi dans le commentaire. Vraiment, je suis vraiment très très content. J'espère que vous aussi vous l'êtes parce que si je vous présente ça, c'est parce que j'ai une grande fierté à vous montrer. Hein. Allez, maintenant ici de ce côté-là, c'est fini. Je pense qu'il me faut un truc pour aller voir. La maison, il me faut au minimum un petit bout de terre hein, parce qu'à l'intérieur, on n'a pas forcément fini. Hein. Oula, ah oui, ok, j'avais oublié qu'on pouvait monter au-dessus. Voilà, donc ici, on a plein de lumière, on a mis plein de lumière de lanterne partout pour éviter d'avoir les zombies. Mais bon, ça marche pas tout le temps, mais bon, ça aide quand même. Hein. Hop, voilà, je l'attache là.
Ouais, comme ça, il ne bougera plus. Voilà, ici, on a décidé de faire une construction à la française, hein, c'est-à-dire les poutres qui sont en bois de chêne, et mélangées avec du béton. Moi, je trouve ça vraiment stylé, vraiment magnifique, hein. Donc, du coup, on a l'idée d'adopter des Pengi, hein, des Pengi qui étaient zombies avant, donc du coup, on les purifiait. Voilà, donc je disais que j'avais besoin de terre pour monter parce qu'on ne veut pas pour l'instant que les PNJ montent ici parce que c'est un endroit pour l'instant confidentiel. Voilà, donc ici on a le premier balcon tranquille hein, pour voir à l'extérieur. Franchement, on a beaucoup d'espace là. Disons qu'on n'est pas. On dirait que nous ne sommes pas en mode survie, mes amis. J'ai l'impression que nous sommes en créatif, alors que ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Donc ici, plus tard, il y aura des tribunes. Hein. Par là-bas, il y a l'espace, là. Il y aura des tribunes pour regarder les chevaux, enfin, des courses de chevaux, pour ceux qui vont faire des paris et tout ça. Et puis, tralali, tralala. Maintenant, on va visiter à côté de la mairie. Déjà ici, avant d'aller quelque part, je vais attacher le cheval ici parce que maintenant on peut avancer très rapidement. Hein. Hop, je t'attache là. J'espère que tu vas pas tomber. J'espère que tu vas pas faire le con de tomber en bas. Voilà. Donc ici, là, on a laissé le bâtiment hein, exprès parce qu'ici on avait la hauteur de la terre qui c'est à la hauteur de là-bas. Voilà, on a laissé exprès, donc tout ça on avait balayé, on avait pris le temps de balayer avec une pelle. Hein. Tout ça c'est fait avec la pelle, rien d'autre. Et ici le bâtiment qu'on avait vu de loin. J'espère qu'il n'y a pas de creeper à l'intérieur. Voilà, l'espace de 30 blocs. Ça c'est l'espace de 30 blocs. Donc avec le temps, ben, on va séparer et on va faire. Quelques chambres et puis quelques pièces pour se détendre. Voilà, ici. Donc là, on est dans le balcon, on peut faire le tour complet. Hein. C'est l'idée. Donc l'idée, c'est de faire le bâtiment sur 5, voire 7 étages, voire 8 étages, selon comment. Oula, m'a fait peur. Ouh, il m'a fait peur, l'Enderman. Donc le but c'est en tout cas mon but à moi c'est de voir de hauteur tout en bas, hein, d'avoir une belle vue, la belle vue, tout, voilà. En tout cas j'adore ça. Voilà, donc voilà, on peut faire le tour, hein. Là on est encore à l'intérieur, je vais monter, j'espère qu'il n'y a pas de creeper ici, j'espère qu'il n'y aura pas, en tout cas ça a spawné là, bon je vais éviter d'aller plus loin. On s'est mis d'accord, donc elle a fait son petit emplacement en hauteur, et puis moi j'ai décidé de prendre le petit emplacement en bas. Donc les décorations, ça avance petit à petit. Hein. Ça avance petit à petit les décorations, et moi je suis en bas. Pour l'instant, j'ai rien fait encore pour le bas. Ah, elle a fait l'entrée exprès pour l'autre côté. Ok, j'ai jamais remarqué ça. Ok, bah on est vraiment, on met pas la même entrée quoi. Ah oui, j'avais même pas remarqué, tiens. Ah ok, bon là ici c'est ma propriété. Ici j'ai mon petit labo tranquille et qui n'est pas encore fini. Donc là je vous montre un peu des espaces, des coffres. Voilà, il y a vraiment un peu de tout, salle d'enchantement. Et ici, voilà, des verrues que j'en ai besoin pour faire mes, comment ça s'appelle, mes potions. Et ici, l'endroit où elle a construit pour mémorer cet endroit. Voilà, moi j'aime bien la couleur comme ça, là, la couleur japonaise que j'adore. Clôture comme ça, là, j'aime bien. Franchement, je trouve ça stylé. D'ailleurs, je l'ai mis aussi sur le bâtiment que je viens de construire. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on va faire un petit tour de propriété avec vous, mes amis, à cheval. Non, 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 tu es ici, toi. Tu es ici.
Hop, allez, je vais enlever la laisse. Allez, hop, la laisse, hop, je prends. Voilà, on va faire un tour vite fait. Vraiment, c'est stylé. Il n'y a pas d'obstacle maintenant, tout est plat. Franchement, je suis vraiment, vraiment, vraiment très content. Vraiment très content. J'espère que ça mérite beaucoup de likes, en tout cas, cette vidéo, hein, mes amis. J'espère que ça mérite beaucoup, beaucoup de likes. En tout cas, c'est ce que j'attends de vous pour récompenser un petit peu le travail fait. Voilà, on a mis un petit peu de pont un peu partout. Hein. On fait un tour de propriété vite fait pour vous montrer que voilà tout ce qu'on a fait depuis le début. Donc ici, on a la banque. La banque, pour l'instant, c'est pas encore vraiment tout fini, mais bon, il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Voilà, fait le tour. Hop. J'ai le sourire tellement que je suis content. Hein. J'ai le sourire. Ah, une petite maison ici. Ma petite maison moderne qui est là, qui est habitée par les PNJ maintenant. Voilà, de toute façon, le but, hein, mon but, c'est d'avoir des PNJ. Et là, le golem, plus. En fait, maintenant, plus vous faites spawner les PNJ, plus les golems aussi spawnent. Allez, pour finir. Je vais retourner dans mes petits tours de piste là. Voilà, que j'aime bien en tout cas. C'est vraiment stylé. Ouais, vraiment stylé. Je me retrouve à la réalité là. Je me retrouve à l'enfance aussi. Ah, je peux faire ça des milliers de fois, des milliers de fois. Vraiment, je suis vraiment content. J'espère que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur like, de faire partager. Toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!